Et voilà, mais... Bon, bonjour et bonjour tout le monde. On attend encore quelques secondes avant de commencer. On entend encore plusieurs personnes qui rentrent. Mais bienvenue tous les parents. J'imagine que vous êtes ici si vous avez un enfant qui s'inscrit à la maternelle 4 ou 5 ans. Aussi le personnel de l'éducation préscolaire, puis tous les partenaires de la milieu de la petite enfance. Bienvenue à cette rencontre d'information sur l'entrée à la maternelle. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui. L'intention de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des informations précieuses qui vont vous aider, dans le fond, à accompagner votre enfant dans la transition. Je suis Mélanie, je suis agente de première transition scolaire au centre de services depuis 5 ans. Puis, j'ai toujours travaillé là, auprès des familles et des enfants de 0 à 5 ans là, depuis mon début de parcours professionnel. Donc, les parents, vous restez mes préférés. Je suis maman de deux grandes filles et j'ai vécu par le fait même des transitions scolaires avec elle. Frédéric, qui a 12 ans, je dirais qu'elle a fini sa transition scolaire il y a peut-être juste un mois. Vous allez voir dans la présentation que pour certains enfants, ça dure plus longtemps que 16 mois. Et Charlie, ma grande fille Charlie, qui a entamé un peu son processus, sa transition vers le collégial cette année, elle a 15 ans. Donc, on est déjà dans cette transformation-là, dans cette trajectoire-là. Je suis accompagnée aujourd'hui dans l'ombre. Il y a Geneviève Saint-Onge, notre spécialiste en informatique technologique qui va nous aider aujourd'hui. J'ai Benoît aussi Brosseau qui est le CP par intérim des services de garde scolaire. Je pense que vous avez des questions à ce niveau-là. Il va venir faire une petite partie de présentation, puis aussi il va être là pour répondre à vos questions. Et ma collègue, mon amie Estelle Pelletier-Chrétien, que je vais laisser le soin là, de se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. On est fébrile, excité ce soir là, de se réunir encore là, pour accueillir peut-être des nouveaux parents ou peut-être qu'on a des parents qui étaient présents l'année passée ou l'autre année précédente à cet atelier, dans le fond, d'accueil de conférence là, pour la transition à la maternelle. Je suis psychoéducatrice au centre de services scolaires depuis 5 ans, mais je suis intervenante, dans le fond, j'étais éducatrice spécialisée. Depuis 2006, là, ça va faire presque 20 ans bientôt. Je suis aussi maman de deux adolescents qui ont vécu différentes transitions. Puis ce soir, je pense que l'intention, c'est de vous transmettre un peu ce que peut-être on aurait aimé avoir à l'époque, hein, dans le fond, dans la transition de nos propres enfants à l'entrée à la maternelle, des bons coups, des choses à savoir, différentes connaissances, pour que vous vous sentiez accompagnés, épaulés, puis pour un peu démystifier tout ça, puis rendre ça là, accueillant, bienveillant et chaleureux, surtout. Un peu à notre image. Donc, voilà. Puis, c'est sûr que vous avez remarqué, là, il y a un enregistrement de la rencontre parce que ça va être diffusé à partir de lundi prochain, le 22. Ça veut dire le lire en téléligne. Je sais que vous avez des petits cocos à la maison, du 0-5 ans, les 5 à 7, c'est mouvementé, ça bouge. Donc, ayez la tranquillité d'esprit là, de quitter la rencontre. Là. C'est pour ça qu'elle elle sera en rediffusion. Donc, je n'ai pas, on connaît très, très bien votre réalité là, d'avoir des enfants 0-5 ans, d'être dans la routine et dans le 5 à 7. Et puis, micro et caméra ont été désactivés parce qu'on enregistre l'enregistrement pour la rediffusion, mais le clavardage aussi a été arrêté. Par contre, 8 heures, la rencontre se termine et il y aura une période de questions de 15 minutes là, qui va être dédiée, en fond, à toutes vos questions. Fait que prenez-les en note pendant la rencontre et je vais vous expliquer un petit peu plus le fonctionnement là, quand on va être rendu là, à 8 heures, sans enregistrement, dans un climat plus propice là, aux échanges. Là, on va pouvoir ouvrir les caméras et on va pouvoir là, se poser des questions. Si vous êtes d'accord avec ça, on va commencer le plan de la présentation. Puis je vais vous présenter un petit peu le menu du jour. On utilise beaucoup ce terme à la maternelle, le menu pour donner la journée. Donc, on va voir c'est quoi un peu la transition en général de la maternelle, les besoins, oui, de vos enfants dans ce processus-là, mais aussi les vôtres et celui de tous les intervenants qui sont autour. Donc, autant les enseignants que les éducatrices en CPE présentement dans les milieux. On va parler des émotions. Parce que dans une transition, habituellement, ça fluctue et on en vit plusieurs. On va faire, c'est sûr, un petit aparté aussi sur l'anxiété et le stress que cette période peut générer. Et on va vous donner des pistes comment accompagner votre enfant dans cette transition vers l'entrée à la maternelle. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que là, notre enfant est inscrit? On était s'inscrire à notre école de quartier. C'est quoi les prochaines étapes? Donc, on s'en va là un petit peu, puis je vais vous partager, bien sûr, là, un petit prix de toutes mes ressources là, que j'ai pour vous. Fait que je vais vous les partager également.
Voilà. Fait que sans plus tarder, je vous lance une question. Malheureusement, on n'est pas en présence, vous ne pouvez pas pouvoir y répondre. Quels sont les prérequis que l'enfant doit avoir pour rentrer à l'école? Alors, question mystérieuse, il n'y en a pas. Il n'y a pas de prérequis scolaires pour rentrer à l'école. Le seul critère, il faut avoir l'âge requis, donc au 1er octobre, donc avoir 5 ans en maternelle, pour rentrer en maternelle 5 ans. On veut vraiment là, qu'il y ait le goût d'aller à l'école, c'est ça qui est important. Et là, je dois parler des maternelles 4 ans. Vous savez que les maternelles 4 ans, on a 15 classes seulement sur notre territoire, différentes municipalités. Alors, c'est sûr que l'offre est plus grande que la demande, donc on va utiliser souvent des critères de priorisation. Donc, c'est pas parce que vous êtes allé vous inscrire à l'école que vous allez être admis. Je vous donne tout de suite, dans le fond, l'information que c'est dans la première semaine de juin que vous allez avoir cette information-là, que vous soyez admis ou pas. Vous allez être informé là, par l'école si vous êtes admis à la maternelle 4 ans. Mais ça reste un critère. Donc, il n'y a pas de prérequis scolaire qu'on entend ou on entendait attacher ses souliers, sauter à pieds joints, découper sur une ligne. Donc, on essaie d'enlever toute cette image-là. On va prendre votre enfant, il est où et où on veut l'amener, où il peut aller. Regardez les deux images que je vous projette présentement. Un petit bébé d'un mois et un bébé de presque un an, donc 11 mois. Est-ce qu'on aurait les mêmes attentes envers ces deux enfants-là? Nécessairement non, mais c'est la même chose au préscolaire. Quand ils rentrent à la maternelle, on ne peut pas. Ils ont un développement qui peut être très distinct, même jusqu'à 8 mois d'écart avec un enfant qui a le même âge. Fait qu'imaginez nos petits là, qui rentrent à la maternelle, là, fin septembre, là, ils vont avoir leur 5 ans, puis il y en a d'autres qui vont avoir leur 6 ans au 1er octobre. Il y a un grand écart entre les deux. Donc, c'est important à considérer au préscolaire. C'est la même chose que vous voyez présentement sur mon image. Et en même temps, j'en profite pour vous donner un petit peu comment ça fonctionne à Geniali, une présentation Geniali. Vous voyez le petit pointeur là, qui est en haut. En fait, quand j'appuie dessus, vous allez voir où il y a de l'interactivité. Donc, pour avoir plus d'informations, des propos que je viens juste de dire, vous avez juste à pouvoir cliquer dessus. Vous allez avoir accès à cette présentation-là après. Donc, ça va tout être diffusé avec la rediffusion et les outils complémentaires. Fait que ce soir, les parents ne peuvent pas cliquer sur les... Non, mais non, quand vous allez la recevoir, vous allez pouvoir le faire pour avoir le contenu dans le fond là, qui a été présenté. Donc, on tasse tous les prérequis et notre enfant, c'est comme à la maternelle, pas à la maternelle, à la garderie. Quand vous avez inscrit votre enfant à la garderie, vous n'avez pas demandé de faire plein d'affaires avant qu'il rentre à la garderie, on l'a pris où il était. C'est la même chose, on parle de développement global, on parle de développement de compétences et non d'évaluation d'apprentissage là, à la maternelle. On est encore dans une année préscolaire, donc la première année, c'est là qu'on avait une approche scolarisante. On est encore dans une année préparatoire. Alors, une transition dans sa grande définition, c'est vraiment une période de temps où que l'enfant va s'ajuster à son environnement physique, social et humain. L'important dans cette définition à retenir, là, c'est que ce n'est pas un moment. Ce n'est pas parce qu'il va rentrer à la maternelle tel jour au mois d'août qu'il va finir sa transition ou que c'est là que ça va se passer. C'est vraiment un processus, ça dure dans le temps. Et je vais vous montrer après la prochaine vidéo le temps que ça prend pour la première transition. Mais rappelez-vous que quand on devient parent, par exemple, ou quand on change d'emploi, ça ne se fait pas automatique. Il y a une préparation avant, pendant et après. C'est la même chose pour la transition scolaire. Donc, il y a un processus qui se passe avant, pendant la transition et après. Puis, lorsqu'on parle de première transition scolaire, on parle vraiment là, des milieux de la petite enfance ou de la garderie ou du CPE vers la maternelle pour la première fois. Donc, ça dure 16 mois. Une première transition scolaire. 16 mois, pourquoi? Parce que ça commence le mois d'août de son entrée avant qu'il rentre à la maternelle, parce qu'on lui met dans la tête tous les adultes autour de lui, ses parents, ses frères, ses sœurs, son éducatrice en service de garde. On lui dit qu'il va rentrer à la maternelle, qu'il est grand, qu'il va aller à la grande école l'année prochaine. Donc, c'est un processus, on dit 5 moments clés, qui se passe bien avant l'entrée à l'école. À chaque fois que tu dis 16 mois, Mélanie, ça me surprend, même si ça fait plusieurs fois qu'on en parle, à quel point c'est important de considérer ce temps-là, hein? ce temps-là qui est nécessaire à bien préparer l'avant, le pendant et l'après, que ce n'est pas le 2 septembre que tout va bien aller, puis qu'avant, c'est important. Fait que c'est un peu de ça qu'on parle ce soir.
Puis là, je vais juste vous montrer, en fait, là, aujourd'hui, dans le fond, on est à mars à juin. Fait qu'il y a des étapes qui sont déjà passées. Vous avez inscrit votre enfant à l'école. J'imagine qu'il est curieux, il y a des questions. Donc, il faut vraiment répondre à ces questionnements à ce moment-là. Puis remarquez qu'il passe 12 mois, dans le fond, dans sa transition à l'extérieur du milieu scolaire. C'est pour ça que moi, mon travail à moi, c'est de travailler avec tous les partenaires qui travaillent avec les enfants avant l'entrée à l'école, puis d'essayer qu'ils collaborent et qu'ils travaillent ensemble. Alors, que l'enfant ait fréquenté un milieu de garde, qui était à la maison, un organisme communautaire, dans une aide de garderie, il y a plusieurs changements qu'il va vivre l'année prochaine. Encore là, c'est une question que je vous pose, que vous pouvez répondre dans votre tête. Il y a tellement de changements, j'en ai énuméré quelques-uns, toute la bâtisse, le personnel, tous les adultes autour de l'enfant dans la classe, les corridors, les récréations, tous les autres élèves aussi, les activités, les attentes, toutes les communications que vous allez recevoir de l'école vont être différentes. C'est moins fréquente, effectivement, et différente que vous êtes habitué d'avoir peut-être dans votre milieu de garde. Les repas, les collations, les boîtes à lunch, les toilettes, les siestes, la porte qui se barre, il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ces grands changements que les enfants vivent quand ils rentrent à la maternelle. Et il y en a d'autres. Je vous ai parlé des nouveautés. Donc, entre le milieu de garde ou la maison, c'est bien de connaître les nouveautés, mais qu'est-ce qui va aider la transition de votre enfant? C'est un petit coup à apprendre, c'est qu'est-ce qui est pareil. Donc, les similitudes que vous avez présentement dans le milieu qui est actuellement, soit à la maison ou dans un service de garde, l'important, c'est de trouver des similitudes. Qu'est-ce qui va être pareil à la maternelle? Donc, par exemple, le jeu. Le jeu reste vraiment le moteur important à la maternelle. On doit placer deux périodes de 45 minutes de jeu, obligatoirement de 45 même à 60 minutes de jeu à la maternelle. Donc, c'est vraiment important. Il va y avoir quand même une adulte de référence dans la classe, comme son éducatrice. Il va y avoir quand même des camarades autour de lui. Donc, on peut en revisiter, mais tout qui est... les heures d'ouverture qui se ressemblent quand même, mais on va en parler tout à l'heure, il y a un service de garde aussi dans une école. Ce n'est pas juste des heures de classe à la maternelle, il y a aussi une offre de service de garde. Mais c'est important de... ça peut être un jeu aussi. De plus en plus, vous allez connaître son nouveau milieu quand vous allez rentrer à l'école. Ça peut être un jeu, un ami qui le suit. Il y a plusieurs éléments de similitude qu'on peut retrouver. Alors, on a-t-il du pouvoir là-dessus? Comment qu'on fait, en fait, pour préparer notre enfant à sa transition? On ne prépare pas pour l'école, on prépare pour sa transition, pour son entrée. L'enfant, en fait, on continue le développement global de l'enfant, on poursuit qu'est-ce qu'on a entamé, mais on ne fait pas une liste à cocher à faire pendant tout cet été ou à partir de maintenant pour qu'il ait tout acquis. Donc, on continue à le développer par ses intérêts. C'est super important. Puis où on peut jouer, c'est dans les relations. Fait que c'est super important pour un enfant de la maternelle de connaître les adultes qui vont être auprès de lui l'année prochaine, les enfants, les amis. Fait que si vous avez aussi dans la rue ou des cousins ou cousines, un ami qui s'en va à la maternelle, de faire ces liens-là, dans le fond, de modéliser à l'enfant, de le dire à l'enfant, ça va être super important. Qu'on a beaucoup de pouvoir, bien, c'est notre responsabilité, les parents, en fait, d'accompagner notre enfant vers la maternelle. C'est vraiment notre capacité là, à pouvoir, notre expérience, hein, notre expérience vécue au milieu scolaire. Je sais, peut-être que certains parents aujourd'hui qui m'écoutent, vous dites que vous n'avez pas nécessairement des histoires positives. Peut-être que vous avez fait un ami, peut-être que la cour d'école était le fun, le gym était super. Donc, c'est important de nommer ces choses-là à votre enfant pour lui donner le goût d'aller à l'école. Puis tous les messages que vous transmettez au niveau de l'école doivent être positifs le plus possible parce que vos enfants, ils vous suivent, ils vont suivre vos propos. Fait que c'est important, ça teinte vraiment là, son envie d'aller à l'école. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de pouvoir, là, c'est nous autres, les partenaires. Ça veut dire de travailler les écoles avec les milieux de garde, avec la municipalité, avec... tous les partenaires, dans le fond, qu'on travaille ensemble, c'est là qu'on a le plus de pouvoir pour mieux accueillir vos enfants, pour mieux les rassurer, pour mieux les connaître aussi. Donc, il faut qu'on se parle entre les milieux pour connaître votre enfant qui va rentrer.
il y a une histoire. Peu importe l'enfant qui rentre, il y a déjà une histoire, même si c'est 4 ans, il y a déjà une histoire. Donc, on veut connaître un peu cette histoire-là pour pouvoir justement l'accueillir dans nos écoles au centre de service. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Comme vous voyez, là, je ne suis pas aujourd'hui là, tout sur l'interactivité, mais ça va être riche en informations. La première transition scolaire, celle de la maternelle, c'est la plus importante parce qu'elle sert d'assise pour toutes les autres transitions scolaires. Tantôt, on a nommé celle du secondaire, collégial, mais il y a aussi celle vers la première année. Regardez juste une classe de première année puis une classe de maternelle, à quel point c'est différent comme milieu. Donc, on parle vraiment de pédagogie, c'est une autre transition très importante. Donc, si on met toute l'énergie, puis on laisse une empreinte positive là, chez notre enfant sur cette transition-là, mais il va partir avec son petit sac à dos, là. Puis il va vraiment partir avec ça, puis il va pouvoir reproduire dans les prochaines transitions scolaires l'expérience positive qu'il a vécue. Fait qu'il faut vraiment donner un gros coup sur celle-ci, le plus possible, pour pouvoir faciliter toutes les autres. Puis ça a tout un lien aussi avec sa motivation à l'école, son goût. C'est déterminant vraiment là, pour tout le succès scolaire qu'il va avoir. Fait que c'est important qu'on soigne cette transition-là. On n'est vraiment pas dans les acquis, on est vraiment dans qu'il se sente bien, qu'il soit accueilli, qu'il soit adapté, qu'il se sente rassuré. Dès les premiers moments, même avant l'entrée à l'école, c'est ça qui est favorable. C'est pas attendre de rentrer à l'école avant qu'ils se sentent comme ça. Donc, la définition de la transition harmonieuse, c'est vraiment une période de temps qui se déroule avant, pendant, après l'entrée à l'école où l'enfant, sa famille, puis toute la communauté, on interagit puis on s'adapte entre nous. Puis on veut mettre des facteurs de continuité, des repères. On veut des similitudes pour que l'enfant, dans le fond, on réussisse à atténuer les changements. On ne veut pas enlever le changement au complet, mais on veut comme l'adoucir. On veut l'atténuer pour que ça soit plus facile, pour contribuer vraiment à son bien-être et à sa réussite, parce que sinon, un enfant qui n'est pas bien au niveau de sa sécurité affective et physique et tout, c'est qu'il ne sera pas disponible pour l'apprentissage. Fait que c'est vraiment important de soigner tout ça pour que dès septembre, là, votre enfant soit apte à l'apprentissage et le goût d'apprendre puis d'aller à l'école. Fait que voici la définition. Puis effectivement, je vous réitère que c'est important de prendre connaissance de notre expérience en tant que parent au niveau scolaire, parce qu'on transmet. Malheureusement, on résonne, hein, les personnes qu'on aime, le stress résonne en nous. Fait qu'on transmet aussi à nos enfants là, autant joie que deuil ou perte. Donc, c'est important de revisiter un peu nos souvenirs là, à ce niveau-là. Maintenant, je vais laisser ma collègue parler un petit peu plus du sujet. Non, les besoins, non, je vais faire les besoins encore. En fait, je le nomme depuis tantôt, mais je vais quand même faire des petits rappels qu'on a tous des besoins dans cette transition-là. Donc, on commence par l'enfant. Pourquoi? Parce que nous, les adultes, on a appris à satisfaire nos besoins, prendre notre temps. Fait qu'il faut vraiment se centrer sur les besoins spécifiques de nos petits cocos. Donc, nos enfants, dans la première transition scolaire, ils ont besoin de se sentir en confiance. C'est qui l'adulte de référence? C'est qui la personne à qui je peux m'adresser, je peux avoir confiance? D'un coup, j'ai quelque chose à dire ou je me fais mal, à qui je dois me confier? Il y a besoin d'avoir des relations positives. Je suis sûre que pour vous aussi, là, vous allez voir ce besoin des parents aussi. C'est rare qu'un parent ne veut pas que se fasse des amis à la maternelle. C'est souvent une de nos craintes aussi. Là. Est-ce qu'il va se faire des amis? Il va être capable de rentrer en contact avec les autres? Donc, pour l'enfant aussi, c'est important de recréer ça parce que c'est plus ses petits amis de la garderie ou son frère et sa sœur. On s'en va vraiment dans un nouvel univers. Donc, c'est important pour lui de créer des relations qui sont positives. On parle de camaraderie, on ne parle pas nécessairement d'amis. Là. L'important, c'est d'avoir des camarades de classe. Il a besoin de savoir qu'est-ce qui l'attend. Fait que le plus possible qu'on peut lui donner du contrôle, de la prévisibilité là-dessus, plus il va être content. Fait que je suis sûre que vous le voyez là, à 4 ans, tu sais, les calendriers, de nommer un peu qu'est-ce qui arrive demain, de prévoir qu'on s'en va chez grand-maman. Fait que je pense que c'est important d'être prévisible, le plus possible de se familiariser là, avec toute cette nouveauté. Et il a besoin de se sentir capable et compétent. Même s'il y a 4 ans, c'est des égos menacés quand même. Les petits 4 ans sont égocentriques encore, donc ils ont besoin vraiment de se sentir qu'ils sont bons, qu'ils sont capables. Pour vous, les parents, je vais jouer avec ma souris. Pour nous, les parents,
Je me concentre aussi. On a besoin de se sentir reconnu puis compétent. Vous êtes le premier éducateur de votre enfant, notre principal partenaire. C'est important que vous rentrez dans l'aventure avec nous autres. On a besoin de vous. C'est vous qui connaissez le plus votre enfant. Je pense que vous avez besoin de comprendre les attentes de l'école. Vous avez besoin d'être informé aussi sur qu'est-ce qui se passe à l'école, à la maternelle. C'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup, beaucoup de communication quand même par les Facebook ou d'autres moyens de communication pour vous envoyer des photos. Fait que c'est rassurant d'avoir des photos de notre enfant, là, du vécu de la classe et de savoir qu'il est en bonne main, qu'il est aimé. Je pense qu'il n'y a pas aucun parent qui ne veut pas que son enfant soit aimé des autres et de l'enseignante. Donc, c'est vraiment un besoin qu'on a chez notre enfant. On laisse un peu partir dans la société. Là. C'est un gros... Quand on dit le monde scolaire, c'est quand même gros. Donc, effectivement, on a peut-être des petites craintes à ce sujet-là. Si tu peux ajouter, Mélanie, oui. J'avais justement la conversation avec une collègue qui est en maternelle 4 ans là, la semaine passée qui me disait... je misais un peu, moi, le monde scolaire là, avant d'avoir mes enfants qui rentrent à l'école, les courriels, les sorties. Il y avait beaucoup de choses... Le fonctionnement, dans le fond, de l'école, malgré qu'elle soit elle-même enseignante, elle a comme compris, elle dit, ouais, tu sais, c'est quand même, c'est de l'adaptation, c'est des ajustements, c'est nouveau aussi pour vous. C'est votre premier, évidemment. Des fois, c'est bien quand ils vont avoir des changements d'école, ils peuvent avoir différentes choses qu'ils vont faire, qui vont demander des ajustements, mais c'est important aussi que vous preniez soin de vous puis que vous donniez le temps de vous adapter, dans le fond, à cette transition-là là, qui est importante. Merci Estelle. Puis ben, nous aussi, en fait, je parle des acteurs scolaires, mais aussi les éducatrices en garderie, on a besoin, en fait, de transmettre l'information sur vos enfants, justement parce qu'ils les connaissent, ils ont utilisé des stratégies qui fonctionnent, des stratégies qui ne fonctionnent pas. Ils ont souvent, dans le fond, une super belle connaissance en groupe de comment votre enfant agit, interagit, fait que c'est super pertinent. Nous, on a besoin d'être préparés, mais on a besoin d'avoir cette information-là sur toutes les spécificités de votre enfant. Je fais une parenthèse aussi pour les enfants qui nécessitent du soutien particulier. Super important qu'on ait cette information-là. Si on veut plus que l'accueillir, là, on veut y offrir le meilleur service puis les meilleurs moyens, en fait, pour qu'il soit bien à l'école. Vraiment, là, dans le fond, on veut vraiment collaborer avec vous. Sachez que c'est important dès le départ là, qu'on ait une belle collaboration. On va passer 6-7 ans ensemble, en fait, dans la même école. Donc, c'est important de commencer là, sur des bonnes bases. Et dernière vignette pour vous rappeler l'importance qu'on est là pour l'enfant. Il faut toujours se centrer. Des fois, tu sais, on n'a pas nécessairement des bonnes expériences avec l'école ou tu sais, des fois, on peut peut-être avoir des différents ou pas les mêmes idées avec l'enseignante. L'important, c'est de le faire pour l'enfant. Il faut toujours se centrer sur les besoins de l'enfant. Donc, l'enfant, il a besoin de se familiariser, connaître les personnes, développer des liens. Oui, avec les camarades, mais aussi avec ceux qui peuvent être plus hauts. Donc, ça peut être les autres niveaux, les enseignantes, toutes les personnes autour de l'école. Il veut se sentir compétent et il a besoin de développer son sentiment d'appartenance à l'école. C'est important pour la vie de groupe. C'est vraiment une mini-société, comme je l'ai nommé. Donc, c'est important qu'on développe son sentiment. Et le petit avion en haut, en fait, c'est pour nous rappeler que c'est nous, en fait, les agents de bord. Même si en dedans, ça bouille, ça pique, vous vous sentez un peu anxieux ou stressé face à l'entrée scolaire de votre enfant, j'ai même mis une petite image là, pour vous le rappeler. Lorsqu'on s'en va en avion, on part en avion, on s'en va à Hawaï, puis l'agent de bord vous dit, écoutez, c'est la première journée du pilote. En fait, il est en stage parce qu'on est en manque de ressources, de pénurie de personnel, comme un peu partout. Puis, il annonce vraiment des turbulences. Fait que attachez votre ceinture tout de suite, puis il n'y aura peut-être pas de repas parce que, justement, ça va trop brasser. Et je ne suis pas sûre qu'on va se sentir rassuré, je ne suis pas sûre qu'on va se sentir calmé. Fait que c'est important de s'assurer comme un agent de bord, donc d'avoir confiance au milieu scolaire, d'avoir confiance en votre enfant, même si en dedans, on se sent peut-être différent parce qu'il va ressentir, mais parce qu'aussi, il vous fait confiance. Fait que on prend le rôle de l'agent de bord pour justement le guider dans cette transition. Parce qu'un agent de bord hein, en pleine turbulence ne va pas se mettre à paniquer. Non, puis à courir partout, elle va rester en contrôle, elle va garder le sourire, elle va être au petit soin, elle va « carry ». Je m'excuse de l'anglicisme. Fait que c'est un peu cette vision-là, ouais. Que, parce que ça se peut que ça brasse un peu. Là, ça va être mon tour d'ailleurs, on va pouvoir parler peut-être du volet qu'il faut savoir, qu'il faut connaître dans le fond.
comme adulte. Fait que dans le fond, c'est ça, l'agent de bord, là, d'imaginer l'agent de bord qui perd le contrôle, en plus de vous faire un discours un peu décousu, là, ça vous mettra en panique. Fait que je pense que c'est de transposer ça à l'enfant. Tout à fait. À la transition de la maternelle, qui est déjà amorcée, comme on dit depuis le début. Là, on est rendu dans nos émissions. Donc, c'est une période qui est joyeuse habituellement. Juste pour vous dire, là, c'est joyeux là, pour les enfants. L'entrée à l'école, ils ont hâte, ils sont excités. Même des fois, quand ils ont fait une immersion à passe-partout, ils ne veulent même plus aller à la garderie. Donc, ils aiment ça, venir à l'école. On sait sûr qu'on va vous parler d'un autre côté, mais c'est important de se rappeler là, que c'est quand même des émotions de joie et de fierté de rentrer à la maternelle et se sentir grand. Fait que je vais laisser maintenant Estelle peut-être nous parler d'un volet un petit peu plus... Qui fait partie de la transition. Oui, quand on pense à une plus courte transition, une plus longue, Mélanie a fait surtout référence à un changement d'emploi, mais peu importe c'est quoi, moi c'est une passion, là, passion transition, qu'elle soit micro ou plus grande, c'est important de la décortiquer puis de l'adresser. Fait que dans une transition, on peut être sujet à vivre du stress ou de l'anxiété. Ce soir, on aurait pu passer une heure et demie à vous parler de ces deux sujets-là que j'adore, qu'on adore. On va faire ça très court. On a basé nos définitions ce soir avec Sonia Lupien, là, qui est scientifique chercheur au Québec. Vous pouvez chercher là, sur Internet, vous allez trouver dans le fond son site. C'est bien fait, il y a plein de capsules, autant pour les enfants, puis s'ils ont des enfants adolescents peut-être, ça peut vous concerner aussi. En gros, là, le stress a, à mon avis, mauvaise presse quand même, et l'anxiété aussi dans les médias, dans nos familles. On pense que c'est le mal du siècle, que c'est de la nouveauté, qu'il n'y avait pas ça il y a 20 ans, mais c'est faux. En fait, le stress, là, c'est nécessaire à la survie. Sans stress, on mourrait, en fait. Le stress nous aide à survivre, à nous adapter, à parfois performer hein, quand il y avait un événement ou une conférence, un atelier. Peut-être un petit peu de stress, ça peut aider, dans le fond, à donner le meilleur de nos capacités. Fait que le stress fait partie de la vie. Quand un enfant va vivre un certain stress ou un adulte, évidemment, on pense aux enfants qui sont en première transition, ça se peut qu'il ait envie de foncer, qu'il ait envie de se donner. Ça se peut aussi qu'il fuit, l'enfant va fuir ou il va éviter. Hein. Des fois, on va le voir dans les premières journées d'entrée à la maternelle ou les journées d'accueil, l'enfant va se cacher contre vous. Ça se peut que comme psychoéducatrice, quand j'accueille les enfants, là, c'est des signes de stress à ce moment-là. Il va se recroqueviller, il va vouloir éviter, il va rester en retrait un peu des autres. Mais c'est normal, il faut accueillir ça, puis il faut le nommer. Ça se peut que tu sois un petit peu stressé, que tu as des papillons dans ton ventre, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie surtout de la transition. La différence avec l'anxiété, encore là, on pourrait en parler vraiment pendant longtemps, l'anxiété pourrait être résumée à la peur d'avoir peur. Faut toujours faire attention à comment on dit « t'as peur d'avoir peur », on n'est pas là, on est vraiment dans l'anticipation d'une menace qui est souvent pas réelle ou pas encore arrivée, parfois fondée, mais parfois pas toujours. Si on prend un exemple d'un enfant en première transition, parce qu'on en a parlé tantôt, si l'enfant vient un stress à la première transition scolaire, il va pouvoir dire à son parent, par exemple, j'ai peur de ne pas me faire des amis, peut-être que personne ne va vouloir jouer avec moi. L'enfant va le nommer comme ça. Un enfant qui serait anxieux, qui vivrait plus d'anxiété, dirait à son parent, j'aurai jamais d'amis à l'école, il n'y a personne qui va vouloir me parler, puis c'est sûr que je vais être toute seule toute la journée, puis qu'on va me laisser dans le coin, puis peut-être que je vais me faire taper. Fait que là, on voit la différence un petit peu. T'sais, dans le fond, c'est normal qu'un enfant soit stressé de dire, vas-tu me faire des amis? Mais un enfant qui aurait un tempérament plus anxieux, qui vivrait de l'anxiété par rapport à la première transition, aurait un scénario, ce qu'on appelle un scénario catastrophe, où il empirerait, dans le fond, là, ses perceptions par rapport à la situation. Dans tous les cas, les manifestations, qu'elles soient comportementales ou qu'elles soient émotionnelles chez les enfants de 4-5 ans, elles se ressemblent énormément et c'est là où moi, j'aurais aimé ça, en tout cas, on en a parlé plusieurs fois, comprendre ça, la transition de mes propres enfants. Parce qu'au-delà du développement normal d'un enfant de 4-5 ans, il peut avoir encore de l'opposition, encore quelques crises, il peut avoir un petit peu de résistance ou de vouloir d'affirmation, mais l'enfant qui va être sujet à vivre du stress ou de l'anxiété dans cette transition-là peut manifester des maux de ventre. Ça, souvent, les maux de ventre à l'école, on va les voir beaucoup. Vous allez voir à la maison, soit dit en passant, ils sont vraiment réels. C'est dans le corps, ça se passe vraiment chez l'enfant.
L'enfant qui ne veut jamais se coucher, qui demande au moins 10 fois là, de votre aide avant de se coucher, ça aussi. Un dernier verre d'eau. On peut avoir, dans le fond, c'est ça, des fois des périodes un peu plus de cauchemars. On va avoir les enfants aussi qui vont vivre de façon plus intériorisée, beaucoup de gêne, qui vont moins se confier, vont peut-être être un petit peu moins enjoués. Et tout ça, dans le fond, puis on a les enfants qui on les reconnaît, ceux-là, ils vont faire des plus grosses crises de colère, ils sont plus fatigués. Pourtant, vous avez le journal en revenant de l'école ou le cahier ou l'application Internet qui dit qu'il a passé une belle journée, mais vous, à la maison, vous dites, voyons donc comment ça se peut qu'il ait passé une aussi belle journée si c'est si difficile. À une grande fatigue, c'est beaucoup de choses. Fait que cette transition-là se passe, même chez des amis à moi ou des collègues m'ont dit, ah ben tu sais, j'étais contente de le savoir parce que je me serais demandé ce qui se passe avec mon enfant. Il faut s'en attendre comme parent parce qu'on peut vous partager différents moyens. Il faut le considérer. Il faut en prendre soin. Puis c'est vraiment de se questionner, dans le fond, c'est comment était mon enfant avant? Puis est-ce que c'est vraiment pire? T'sais, si vous avez un enfant qui est sujet à part des crises de colère, puis qui en fait c'est un peu plus intense, mais si vous reconnaissez votre enfant, vous savez que c'est transitoire. Par contre, si ça devient vraiment votre enfant, vous ne le reconnaissez pas ou c'est des choses qui sont démesurées ou les choses que vous essayez avec lui depuis longtemps qui fonctionnent, ne fonctionnent plus, c'est là que ça peut peut-être devenir dire, OK, je vais me poser quelques questions. On va aussi venir là, en termes de délai là, un petit peu plus loin dans les vignettes. Donc, l'anxiété, le stress peut se manifester de façon similaire. On se rappelle qu'il y en a un qui est réel, qui fait partie de la vie, qui nous permet de survivre. L'autre va être un peu plus dans l'anticipation, la peur d'avoir peur. Sur le petit, on était-tu dans les moyens? On parlait des moyens. Oui. On va y revenir tantôt, puis vous allez peut-être avoir l'impression qu'on se répète à quelques moments. C'est comme ça aussi qu'on arrive à faire avancer des fois les messages pour dire, OK, je l'ai retenu, c'était vous là dans la conférence ce soir. Mais j'ai envie de dire, là, dans la transition déjà maintenant, mais beaucoup dans l'été, dans ce qui va s'en venir et dans les premiers jours, semaines d'école, de revenir à idéalement une routine de sommeil le plus possible. Il y a certains enfants qui c'est important de se pratiquer plusieurs semaines à l'avance. Ça dépend du tempérament de votre enfant. Moi, mes enfants, je les présente, ça ne donnait rien de les préparer trop tôt. Par contre, la fin de semaine, hein, on essaie de garder une routine au début. De l'entrée à l'école, on a envie de faire plein de choses comme parents. C'est correct d'avoir un horaire, mais je vous le dis, moi, à l'école, les lundis sont difficiles dans nos écoles. Les enfants sont fatigués. Surtout les petits cocos, ils dorment déjà beaucoup. Là. Ouais. Moi, la mienne, elle a dormi. Là, les deux ont dormi toute l'année. Là, la fin de semaine. Ils vont être vraiment fatigués. Fait que de prévoir ça là, dans votre routine là, avant, là, même, je dirais, un bon deux semaines pour préparer ça, ça vaut vraiment la peine. De prendre, si votre enfant, vous pensez qu'il a besoin de recommencer à faire des siestes ou des repos la fin de semaine, ça se pourrait. De prendre le temps en arrivant à la maison de se déposer aussi. Des fois, il y a des enfants, moi, ma fille, c'était aucune consigne en revenant de l'école pendant plusieurs mois. Là. C'était vraiment d'être dans sa bulle, de regarder son émission, de manger sa collation, d'être vraiment dans du calme hein, parce que c'est des environnements, les écoles, c'est stimulant, mais c'est aussi bruyant. Donc, charge cognitive, mentale, visuelle. Exactement. Puis d'autant plus si votre enfant part de votre milieu familial à vous, à la maison, ou de la famille, puis ou d'une garderie en milieu familial de 6 enfants, c'est sûr que ça se peut qu'il soit plus envahi, plus fatigué. Être à l'écoute, à montrer le bon exemple. Quand on est stressé comme adulte, il n'est jamais trop tôt pour commencer à exprimer à notre enfant que, ah ben, tu sais, c'est pas votre confident, là, vous comprendrez, là, mais tu sais, de donner, je suis stressée aujourd'hui, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal à la tête, je vais me reposer sur le divan, tu sais, de donner cet exemple-là pour montrer à votre enfant que c'est normal d'en vivre du stress, puis qu'il y a moyen de le chasser, puis d'aller mieux par la suite, de l'apprivoiser, dans le fond. Oui. C'est pas mal ça, la respiration, on va y revenir aussi, mais d'apprendre à respirer, en tout cas, on pourrait ça aussi passer une heure de capsule là-dessus, mais la respiration, là, c'est le moyen le plus efficace, dans le fond, pour faire baisser immédiatement le stress ou l'anxiété chez un individu, chez un enfant. Fait qu'en le pratiquant avec votre enfant, puis ils sont très ouverts, les enfants de 4-5 ans, quand on essaie de leur enseigner ça plus tard dans leur parcours scolaire, moi, j'ai des roulements d'yeux dans mon bureau, mais dernièrement, je l'ai vécu avec un enfant de 4 ans, sur ma montre, j'ai parti mon application de respiration, puis il s'est mis à le faire par lui-même, puis en vérifiant avec les parents, il n'avait jamais pratiqué ça, mais ils sont très ouverts. Fait que d'apprendre à respirer pour réguler son système nerveux à cet âge-là, c'est très pertinent de le faire. Si vous voyez que ça perdure dans le temps, que vous ne reconnaissez plus votre enfant, que vous avez essayé plusieurs moyens dans la liste, que vous avez regardé les vignettes de la présentation de ce soir, que vous avez discuté avec votre conjoint, vous avez été chercher plusieurs choses, que ça fait 8, 10, 12 semaines,
Ça peut être pertinent, dans le fond, de consulter un professionnel de la santé là, si vraiment vous trouvez que l'anxiété de l'enfant le perdure dans le temps. Mais en deçà de 8 semaines, c'est très fréquent que ça soit... Ça, jusqu'en novembre, en fait, là, je vous le dis, là, pour être à l'école, c'est normal, ça va arriver, ça peut être plus difficile, pas pour tous les enfants. Mais il ne faut pas s'inquiéter, à moins que ce soit vraiment démesuré ou majeur. Mais au-delà d'un 8 à 12 semaines, là, c'est important de penser à considérer d'aller peut-être consulter un professionnel ou votre médecin pour vous aider là, dans cette charge-là. Parce que malheureusement, en fait, l'anxiété chez l'enfant, ça existe, c'est réel. Il y en a de plus en plus. Donc, vous allez le voir, vous connaissez bien votre enfant. Donc, si toutes les stratégies que vous mettez en place, ça ne fonctionne plus, c'est un signe quand même important. C'est vous qui le connaissez le plus, donc il faut vraiment le considérer. Parfait. Toujours avec Sonia Lupien, qu'on apprécie beaucoup toutes les deux, il y a une recette qu'elle présente, qu'elle a inventée. Là. Moi, qui a vraiment changé ma vie, là, en tout cas, de parents et d'intervenantes, là, quand j'en ai pris connaissance il y a déjà quelques années. Si vous fouillez sur le site Internet, ça se peut que vous trouviez le spin qui s'adresse plus aux ados. Je préfère de loin l'appellation ciné. Elle est plus concrète, elle fait plus de sens. Dans le fond, ce que Sonia Lupien dit, c'est que dans chaque situation de stress vécu dans la vie de tous les jours et dans une transition scolaire, une situation de stress peut comporter un des 4 ingrédients du ciné, 1, 2, 3 ou 4, et on considère que la transition scolaire comporte les 4 ingrédients du ciné. Une fois qu'on connaît les ingrédients, ben, il y a déjà un bout de la prise de conscience qui est fait. C'est un bon bout de l'intervention, mais ça nous permet aussi de mettre en place ce qu'il faut pour pallier, dans le fond, à chaque composante qui peut être affectée. Par exemple, dans le ciné, le C représente le contrôle. Hein. Fait que quand on vit une situation de stress, quand un enfant entre à l'école, hein, on a besoin de lui donner du contrôle parce qu'il y a une certaine perte de contrôle. Mélanie vous a expliqué tantôt toute la nouveauté qu'il pouvait y avoir, toutes les choses que l'enfant ne connaissait pas. Donc, on peut le faire participer à choisir ses vêtements, ses collations dans sa boîte à lunch, la couleur de ses bols matin. On est vraiment ils ont besoin de faire des choix. Hein. Quand on fait des choix, on a du contrôle. Des fois, c'est sûr qu'à 4-5 ans, il veut choisir beaucoup de choses. Hein, mais c'est justement là que quand on veut redonner du contrôle à notre enfant, c'est des choses qu'il peut décider. C'est des choses concrètes comme ça de sa petite vie à lui, de sa vie quotidienne. Ce qui va aussi aider à donner du contrôle, c'est les calendriers. On en a parlé tantôt, les repères dans le temps. J'ai envie de dire d'être prudent, de ne pas de dire oui, dans 4 mois, tu commences l'école. Hein. Ce n'est pas concret pour un enfant de 4 ou 5 ans. Donc, on est un mois à la fois, parfois une semaine à la fois pour certains enfants, mais on donne des repères. On donne des repères dans la journée, le matin, le soir. T'sais, tout ça, ça va lui donner du contrôle dans sa journée aussi quand il va rentrer à l'école dans les semaines qui vont précéder et effectivement la rentrée scolaire. Dans une journée, dans une semaine, hein, il peut se passer plusieurs imprévus. On va le vivre comme adulte, mais nos enfants, les imprévus, pour certains, ils vont bien dealer avec ça. Pour d'autres, ça va vraiment les stresser. Ce que j'ai envie de partager, c'est que tu sais, les imprévus dans une école, ça peut être l'alarme de feu. Hein, des fois, la pratique de feu, ça peut être tout ce qui est les toilettes qui sont super bruyantes. les nouvelles toilettes. Ils partent seuls dans certaines écoles. Comme imprévu. Exactement. Tu sais, ça se fait que dans certains restaurants, vous buviez. Des fois, juste le lavabo, comment l'eau sort. Fait que dans le fond, ces petits imprévus-là ou des plus grands, tu sais, l'enseignante qui n'est pas là une journée, une remplaçante, ça peut déjà être travaillé à la maison en nommant aux enfants que l'imprévu soit un peu démystifié et qu'il fasse partie de la vie. Là, parce qu'un imprévu, on dirait que c'est bon. En tout cas, à l'école, ce que j'ai l'impression, des fois, c'est que c'est comme, oh, mon Dieu, un imprévu, c'est négatif, mais un imprévu, ça peut être le fun. Ça peut être, hey, il fait beau ce soir, on va manger une crème glacée après le souper. Hey, c'est un imprévu dans notre routine, c'est pas ça qu'on avait prévu, mais on a changé les plans pour que l'enfant apprenne que l'imprévu hein, peut être déstabilisant, mais agréable parfois, pas juste désagréable. Donc, apprendre le langage imprévu, j'ai envie de dire que c'est vraiment ce qu'il y a à faire là, pour ça, puis on le recommande beaucoup dans les écoles que les enseignantes aussi là, du préscolaire là, l'utilisent. Il va y avoir énormément de nouveautés. On vous l'a dit tantôt, on ne vous les énumérera pas tout hein, parce que vous le savez. Fait que dans le fond, c'est d'exposer l'enfant quand c'est possible à ces situations nouvelles-là. Hein. On va reparler des moyens plus tard, mais tout ce qui va être les rencontres. Si vous avez à mon école, je sais que nous, on fait une promenade en autobus. Si votre enfant va prendre l'autobus, regardez l'autobus, être juste dehors et voir l'autobus passer devant la maison, ce que ça sent, la grosseur, le bruit.
tout ce qui peut être nouveau, qui va faire partie de sa transition, de sa vie scolaire, ça va être important, dans le fond, là, de l'exposer le plus possible. Quand on diminue la nouveauté, dans le fond, on donne du contrôle sur la composante plus haut, là, à l'enfant. Là, fait que plus on expose à la nouveauté, plus l'enfant, dans le fond, se sent sécurisé. L'entrée à la maternelle peut faire en sorte que l'ego de notre enfant, Mélanie l'a dit tantôt, soit menacé. Le mot ego n'est pas négatif. Des fois, on a tendance à le dire, oh, il y a un gros ego, mais l'ego fait référence au sentiment de compétence de l'enfant, à son estime de soi. Donc, un enfant, par exemple, qui était en milieu familial, qui était le plus vieux, qui aidait beaucoup son éducatrice, qui était le, qui courait le plus vite, qui dessinait le mieux, qui était le plus fonctionnel, arrive à la grande école dans un groupe de 19 enfants. Et là, ben, peut-être qu'il ne court plus le plus vite. Puis peut-être que finalement, il range moins vite son étui à crayon. Puis peut-être que ce n'est pas lui qui est toujours choisi pour aider son enseignante. Et là, ben, son sentiment de compétence peut être menacé. Son estime peut être aussi ébranlée. Et c'est normal. Hein? Ça fait partie de la vie de groupe ou de la vie scolaire. On apprend comme ça à se définir, dans le fond, là, comme enfant, adolescent et adulte. Mais où est-ce que vous, comme parents, vous pouvez les aider? C'est vraiment dans l'autonomie. J'ai envie de faire une nuance ce soir entre l'autonomie affective, de dire à mon enfant, il va se gérer tout seul, il va gérer ses émotions, on n'est pas là, mais l'autonomie concrète, l'autonomie au quotidien. Zipper son sac d'école, ranger ses cahiers, ouvrir son ficello, mais c'est vraiment que l'enfant soit capable, parce que quand vous faites pour lui, vous lui envoyez l'image qu'il n'est pas capable, au lieu de le stimuler et de lui indiquer qu'il est capable. Puis les enfants de 4 et 5 ans, là, ils ont une émotion qu'ils sont capables de vivre, c'est la fierté. Donc, quand ils sont capables de progresser à petits pas pour vivre des réussites comme ça dans l'autonomie, c'est vraiment important. Et plus qu'il va avoir d'autonomie aussi, plus ça va être facile. Ils vont se retrouver dans un ratio, tu sais, en maternelle 4 ans, c'est 17, en maternelle 5 ans, c'est 19, tu sais, élèves. Donc, enfin, donc, c'est important, il va se sentir bien d'aller à la récréation plus vite parce qu'il est capable de zipper son manteau et d'aller dehors rapidement. Donc, ouais. S'il a besoin de moins demander d'aide, peut-être que pour lui, ça va le rassurer puis il va se sentir fier d'être capable de le faire. Donc, ça vaut vraiment la peine de miser là, sur tout le « je suis capable » de toutes les choses au niveau autonomie fonctionnelle que tu nommes, là, Estelle, là, de plus en plus. Puis on parle de la toilette aussi, donc la toilette, toutes les étapes de la toilette, qu'on parle d'ouvrir la porte, barrer la porte, tu sais, aller faire des tests dans les grands centres d'achat, c'est sûr que les toilettes à la maison, des fois, on laisse ouvert, mais tu sais... Apprendre à fermer la porte, parce que ça, on le voit à la maternelle, ça, puis les petits garçons dans les urinoirs qui baissent les pantalons jusqu'aux chevilles, là, de pratiquer à fermer la porte, c'est vrai, dans les toilettes publiques. Fait que toute l'autonomie qu'il peut lui donner, en fait, pour qu'il puisse fonctionner et sans demander trop d'aide là, à son enseignante, c'est pas qu'elle ne soit pas là, mais elle a 17. Fait que c'est ça, c'est une grande différence qu'on n'a peut-être pas mis en valeur là, au début de la rencontre, mais c'est important quand même le nombre d'élèves. Oui, tout à fait. Là, j'ai envie de vous dire ce soir, commencez par dire, mais là, les madames à la conférence, ils ont dit qu'il fallait tout que tu te fasses toute seule. On est dans l'accompagnement, on est dans le plaisir, on joue. Surtout, des fois, l'habillage à cet âge-là, ça peut être encore parfois un peu, tu sais, bon, des fois, ils n'ont pas le goût, ils sont fatigués, mais on ajuste nos attentes, mais on garde toujours en tête de prouver à l'enfant qu'il est capable. Je finis avec un mini-exemple sur cette capsule-là. Quand vous venez des fois là, à vos rencontres d'accueil à la maternelle, puis là, l'enseignante ou en tout cas la personne, l'adulte qui est là, va demander de faire un cours bricolage. Puis là, ben, je vois chaque année le parent qui va tirer la feuille de son enfant, va prendre des ciseaux, va découper parce qu'il veut donc bien que ce soit bien fait puis que ce soit beau, ce qui est mis. Mais nous, là, on veut juste observer votre enfant puis voir de quoi il est capable puis qu'il voit un petit peu l'ensemble des tâches qui vont être faites à l'école. Fait que c'est un exemple concret, mais qui montre qu'on comprend que des fois, notre égo de parent peut être menacé, mais de faire à la place de notre enfant ne va pas l'aider à moyen terme, assurément. Puis je veux juste terminer que la transition scolaire, mais toutes les transitions, en fait, comportent les quatre ingrédients du stress. Donc, CINÉ, c'est l'acronyme des quatre ingrédients. Donc, on a tous les ingrédients dans une transition. Maintenant, comment accompagner mon enfant? Encore là, il y a peut-être des choses qui vont résonner qu'on a déjà nommées. Ouais. C'est important qu'on revoie la liste quand même d'épicerie. Comme il n'y a pas de prérequis, hein, on continue d'encourager surtout sa curiosité, son désir d'apprendre et d'alimenter ses intérêts. À 4 et 5 ans, c'est normal d'avoir encore certains intérêts plus restreints ou plus sélectifs.
Moi, chez moi, c'était les dinosaures. Fait qu'on avait des casse-têtes de dinosaures, des cahiers à colorier de dinosaures, des histoires de dinosaures, des figurines pour jouer aux jeux symboliques. Ça a été ultra investi pour mon garçon à ce moment-là. Donc, on alimente ses intérêts. Il va les développer, ses intérêts, évidemment. On peut l'exposer à d'autres choses, évidemment. Mais tout ce qui concerne ses intérêts peut être travaillé, dans le fond, pour travailler différentes compétences et différentes façons, dans le fond, de vouloir apprendre et d'être intéressé à un sujet. Le maternelle, il va découvrir de toute façon des intérêts de ses camarades, oui. Puis il va changer, il va diversifier. Il y a des fixations des fois à 4 ans, là, ouais. On a vu plusieurs, là, ouais. Donc, je ne dis pas de tout acheter, dans le fond, la chambre, les bonhommes, de tout, mais ouais. D'utiliser là, ses intérêts pour développer la curiosité et le désir d'apprendre, là, c'est plus ça qu'on veut dire. Tout à fait. Mais lui permettre de se familiariser avec l'école, vous le savez, là, nous, c'est vraiment d'aller aux journées d'accueil, l'été aussi, s'il n'y a pas de camp de jour, d'aller jouer dans la cour d'école, d'explorer le module de jeu, de passer devant l'école, de trouver que l'école est belle, de nommer, il y a des, tu sais, d'aller voir tout ce qui concerne l'école, d'aller regarder au travers de la fenêtre, s'il y a des vidéos qui sont déposées aussi sur la page Facebook de votre école, certaines écoles vont en avoir. Juste de partager, c'est ça, de se familiariser, dans le fond, avec les lieux le plus que c'est possible aussi dans votre horaire à vous de parents. Ça, c'est mon petit. Oui, je pense. J'ai instauré dès la maternelle et on joue encore à la maison. Nous, c'est sur l'heure du souper, mais vous pouvez le faire quand vous voulez. Si tu demandes à un enfant de maternelle qu'est-ce qu'il s'est fait aujourd'hui, si vous avez des réponses, vous me le direz comment vous faites parce que moi, j'en avais pas beaucoup. Ça, même plus tard, même plus tard. Même encore aujourd'hui. Même en secondaire, c'est la même affaire. Donc, quand je dis qu'on joue encore, on joue vraiment encore. Ça va être même pas mon conjoint quand on a des mauvaises journées. On joue à fraises, citron, chocolat. Donc, tour de table, c'est quoi ta fraise aujourd'hui? Nomme-moi quelque chose que tu as aimé de ta journée. Citron, là, on peut exagérer, tu sais, à 4 ans, il y a beaucoup quand on joue avec les mimiques, puis on joue avec les voix. Donc, quelqu'un qui est sûr, là, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, que tu as moins aimé de ta journée aujourd'hui? On peut passer fraise, tout le monde, après citron et chocolat. En fait, c'est que tu nommes une personne qui a posé un geste gentil à ton égard. Fait qu'il nomme une personne autour de lui, ça peut être souvent la famille, mais ça peut être quelqu'un à l'école. Donc, ça permet vraiment de verbaliser les émotions puis de nommer aussi sa journée, de se déposer. Parce que souvent, je te pose la question, Estelle, comment ça a été ta journée aujourd'hui? On dirait que des fois, on n'a même pas envie de répondre. Mais ça a bien été, on n'a pas trop... C'est correct, là, tu sais. Fait que c'est un petit truc, vous ouais. L'expérimentez si ça vous tente. Chez nous, ça fonctionne. Fait que ça vous aide aussi, là, à mettre des mots sur ce qui se passe à l'école parce qu'on n'a pas beaucoup de communication. Ça vous aide à reconnaître. C'est concret, hein, c'est d'imager pour les enfants. Puis juste aussi en lien avec les émotions, là, rapidement, c'est important que les émotions de base des enfants soient explorées à cet âge-là. Fait qu'on nomme la joie, les 4 émotions, la joie, la colère, la peur, la peine. La tristesse, la fierté aussi qui s'ajoute là, dans le développement, mais on le nomme comme parent. On favorise son autonomie, on en a parlé, fait qu'on redécortiquera pas cet aspect-là. On côtoie d'autres enfants aussi quand c'est possible, le parc, les heures de compte à la bibliothèque, le soccer commence bientôt, aller voir une game de soccer, même si c'est pas d'autres enfants que vous connaissez qui jouent. C'est important, ils peuvent côtoyer d'autres enfants de 4 et 5 ans. Lui parler positivement de l'école, Mélanie vous l'a dit tantôt, mais c'est important. Hein, c'est en dedans, ça bouille comme parent, puis on n'est pas d'accord, on a des questions, on se gère et on communique avec l'école en parallèle, on ne l'exprime pas devant notre enfant. C'est correct qu'on n'ait pas les... C'est correct de ne pas toujours être d'accord et d'avoir des questions, mais je pense que c'est de ne pas exposer. Ça, l'enfant peut devenir en conflit de loyauté à ce moment-là de son parent puis son adulte à l'école qui aime beaucoup. C'est pas agréable comme émotion pour un enfant. On explore, on joue avec le matériel qui est disponible, des cerceaux, des ballons, des craies, des crayons, et on joue, on est dans le plaisir, on n'est pas dans l'apprentissage. Mon enfant de 4 ans ne doit pas s'asseoir à la table le soir puis faire 45 minutes de découpage. On n'est pas là, là. On est vraiment dans s'amuser. Découverte. On l'implique dans les préparatifs scolaires selon votre réalité à vous. Est-ce que c'est les circulaires, est-ce que c'est de l'année choisir certains articles? Mais c'est important, puis ils ont hâte à ces moments-là. Puis vous vous intéressez à ce qui vient à l'école, on a dit tantôt, le fraise, entre autres, citron, chocolat, les communications avec l'école, les applications, qu'il y a des photos du quotidien. Moi, j'ai beaucoup de collègues enseignantes qui utilisent ça, qui se passe au quotidien. Tout ça va vraiment l'aider à vivre une meilleure transition quand vous êtes rendu au jour J. Puis c'est dans le plaisir, dans les intérêts de l'enfant, puis ça va vous aussi vous rendre ça, tout ça plus léger comme parent, en fait, j'ai envie de dire, puis ça, c'est important. On veut que vous enlevez ça de vos épaules, là, dans le fond. Souvenez-vous encore, dans cette page-là, souvenez-vous encore des prérequis scolaires qui sont inexistants. Souvenez-vous que c'est ça que vous avez besoin de faire, que vous le faites déjà. C'est juste une poursuite, dans le fond.
C'est vraiment la page la plus importante, en fait, que vous rappelez, que vous enlevez cette pression-là que vous avez sur vos épaules de tout faire avant l'entrée à l'école. Il y a des attentes de fin de cycle à la maternelle 5 ans. Vous les allez les connaître quand vous allez rentrer à l'école. Vous n'avez pas besoin de les préparer à l'école. Reste de rythme, fait qu'on on embarque en fait dans le... Je vois le temps qui s'en vient. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Quelle information qu'on doit transmettre à l'école? Je vous dirais tout ce qui peut nous aider à mieux l'accueillir, à le sécuriser, à le connaître. Tous les documents pertinents en Montérégie. La beauté, c'est qu'on a développé une démarche montérégienne qui s'appelle Mon Portrait. Il y a des outils, en fait, de transmission d'informations des partenaires vers l'école qui existe. Probablement, parce que je sais qu'il y a plusieurs écoles qui l'utilisent, vous connaissez le Mon Portrait parent. Il l'a en deux versions. Donc, il y a la version PDF dynamique et la version Form qui est traduite en 9 langues. Donc, pour nous présenter votre enfant. C'est super précieux. On a besoin de savoir, c'est vous qui allez pouvoir nous aider dans ces premiers moments d'adaptation aussi à l'école. On nomme les intérêts, on nomme ses forces, mais aussi qu'est-ce que vous faites pour le rassurer quand il arrive telle situation, comment vous agissez. Donc, c'est vraiment précieux comme information. Fait que celui-là vous concerne. Il y en a deux autres. Il y en a un qui est plus pour tous les milieux de garde, des fois les organismes communautaires. En fait, quelqu'un qui connaît vraiment bien votre enfant. Dans une vie peut-être plus de groupe. Il s'appelle Mon Partenaire Universel. Donc, on demande aux éducatrices, aux éducateurs de remplir ce document-là qui est aussi précieux. Ça vient un complément avec le vôtre parce que votre enfant, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais ils ne sont pas tout le temps pareils en groupe qu'à la maison ou dans un autre environnement. Fait que c'est important d'avoir aussi la vision de groupe. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir à la maison quand justement on n'a pas une grande fratrie. Exemple, le partage, l'entraide, l'échange, l'empathie. Il y a des choses qu'on peut peut-être moins facilement regarder. Donc, c'est un outil qu'on demande en fait au milieu de garde de remplir pour la mi-mai. Et le dernier, et non le moindre, c'est pour les enfants qui auraient besoin de soutien particulier. Donc, un enfant qui présente des besoins particuliers, il faut le savoir plus tôt parce que ces enfants-là ont besoin de plus. Ils ont besoin d'intensifier, dans le fond, de parler de moyens plus personnalisés avec l'enfant. Peut-être que pour cet enfant-là, la journée d'accueil, ça ne sera pas le bon moyen. C'est peut-être plus une rencontre VIP avec son enseignante quand il va avoir moins de personnes dans l'école. Ça peut-être un appel téléphonique aux parents. Donc, on a besoin de connaître les particularités de ces enfants-là avec tous les rapports ou les documents pertinents qui viennent avec pour pouvoir vraiment mieux mettre en place des services pour lui et des moyens là, vraiment pour qu'il soit bien. On veut qu'il soit bien, ces enfants-là. Donc, eux autres, on les reçoit un petit peu. Vous ne l'avez pas tout rempli, ce n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Que si vous avez le temps, vous allez avoir accès à ma présentation. Il y a une petite vidéo de 5 minutes qui explique en mieux et peut-être un petit peu plus long, la démarche Mon Portrait dans son ensemble. Elle a été sondée aussi l'année passée. Dans le fond, c'était tout en Montérégie. Fait qu'on a sondé, dans le fond, les parents et tous les autres partenaires sur la satisfaction générale de la démarche et autres questions. Et 90% des parents sont quand même satisfaits et contents d'être sondés, d'être considérés comme premier éducateur, justement, en remplissant ce document-là. Ça va être très utile. Fait que je vous laisse sur cette page-là, mais si vous êtes curieux, en fait, vous allez pouvoir aller voir la vidéo. Et demandez à votre école, parce que dans nos écoles, dans le fond, du centre de service scolaire, la plupart, là, Bien, c'est fortement recommandé, même à Montérégie, mais au centre de service des Hautes-Rivières, là, je vous dirais que les 3 outils sont utilisés, là, vraiment. Puis c'est vraiment un complément d'information. Les 3 sont importants. Comme psychoscatrice, j'ai envie de dire que l'enfant soit dans un portrait universel ou besoin particulier, on arrive à les accueillir avec leur petite recette à eux pour certaines choses, puis de ne pas attendre 2-3 mois quand on sait que l'adaptation est déjà difficile. Tu sais, ça peut être difficile dans la transition, de ne pas attendre. Je pense à un élève qui avait peur du petit œil magique de la toilette qui flushait trop fort, mais tu sais, on a mis un petit papier pendant quelques semaines. L'enseignante a mis un petit papier sur l'œil magique pour adapter. Tu sais, fait que c'est des petites choses comme ça, des détails qui favorisent une transition qui est plus harmonieuse, qui est plus épanouie, puis qui est moins stressante. Beaucoup dans la joie, ce qu'on veut, dans le fond, le plus possible. Toutes vos informations sont vraiment précieuses. Et maintenant,
Vous allez voir, ça va défiler. Là, on est inscrit à la maternelle. Donc, on a été à notre école de secteur, on s'est inscrit à la maternelle. C'est quoi les prochaines étapes? Je vous encourage vraiment fortement d'aller rejoindre la page Facebook de votre école pour vous habituer aux communications. Puis, il y en a peut-être qui vont vous y être adressés également. Le calendrier scolaire, encore là, dans les zones d'interactivité, là, vous pouvez cliquer dessus, puis vous allez avoir déjà le calendrier scolaire 2024-2025. Vous allez voir que l'école, c'est votre premier enfant qui rentre dans ce beau monde. Il y a des pédagogiques, il y a une semaine de service de garde, il y a une semaine de relâche, il y a aussi des congés. Fait que ça va être important d'aller le visiter. J'ai mon collègue qui va venir faire une petite apparition sur le service de garde, mais je pense que je vais défiler, si ça ne te dérange pas, avant qu'on va revenir. J'ai mon collègue Benoît, là, qui est CP par intérim des services de garde, qui va venir vous expliquer ce super service qu'il y a dans nos écoles, parce que l'école en tant que telle, en enseignement, en éducation préscolaire, ça dure 23h30. Il y a d'autres temps qu'il faut aller chercher avec le service de garde. En mai-juin, vous devriez avoir reçu là, bientôt là, de vos écoles des moments, des visites d'accueil. Les modalités sont différentes. Des fois, ils en font une, des fois, ils en font deux, des fois, ils en font trois moments d'accueil. Donc, c'est varié selon les écoles, l'équipe école en place. Juin, juillet, si tu n'es pas déjà reçu, vous allez recevoir un courriel et ça va être sur le site Internet, toute la liste d'effets scolaires. Mais souvent, dans le fond, vous avez un bel aperçu aux journées d'accueil. Ils vous montrent même les effets désirés lors de ces belles journées. Et en août-septembre, c'est important que vous sachiez qu'il y a une entrée progressive de 3 jours. C'est conventionné, donc c'est 3 jours minimum et maximum. Ça veut dire que c'est 3 jours que votre enfant va être accueilli en petit groupe. Le but de cette pratique, si vous êtes plus curieux, on peut aller voir, c'est vraiment de créer des liens avec l'enseignante et avec ses amis. Toujours plus facile pour votre enfant s'il est 8 au lieu de 10 pour pouvoir lever la main, pour pouvoir s'adresser à l'enseignante. Et ça lui permet aussi de vivre une journée ou une demi-journée avec un petit groupe. Comme ça, les routines vont être plus faciles aussi à se faire de cette façon-là. Je ne peux pas vous donner exactement la formule. Toutes les écoles choisissent leur modalité, mais dites-vous que déjà prévoyez avec le calendrier scolaire que les 3 premières journées, ça se peut qu'au niveau du travail, vous devriez vous accommoder ou faire des changements. Donc, prenez connaissance de ces journées. Et bien sûr, là-dedans, il va y avoir une rencontre de parents. S'il n'est pas en août avant la première journée d'entrée, qui est souvent les écoles, la formation préscolaire, elle va être en septembre pour rencontrer l'enseignante, tout ce qui est la pédagogie, comment rentrer en contact avec elle. Donc, Benoît, je t'invite. Bien, bonjour à tout le monde. Le service de garde, en fait, ce que c'est, ça va être un service qui va être offert avant et pendant l'heure du dîner et après les classes. Donc, je vous donne une espèce de topo de à quoi ça peut ressembler une journée à l'école. Chaque école et chaque service de garde a son horaire bien, bien différent à lui. Donc, si on prend un exemple, par exemple, que les classes commencent autour de 8 heures, là, vous allez voir, chaque école, ça peut être 8h moins 5 ou 8 heures et 2, là, mais il y a des différences. Donc, le service de garde va être offert avant. Autour de 6h30, 7h, tout dépendant des milieux, là, vous allez pouvoir aller au service de garde. Ensuite, de l'élève va retourner en classe. Sur l'heure du dîner, il va y avoir trois façons, en fait, de passer l'heure de dîner. Donc, soit on va dîner à la maison, soit l'élève peut être au service de dîner. Donc, ce qui veut dire qu'il va dîner avec les élèves de l'école, avec les surveillantes de dîner. Donc, le ratio va être plus grand au niveau de la surveillance et les frais vont être un peu plus bas. Pour le service de garde, en fait, ça va être souvent inclus dans le service pour un enfant qui va être inscrit de façon régulière, donc matin, midi, soir ou deux de ces blocs-là. Donc, évidemment, il va y avoir des éducatrices en service de garde. Le ratio va être un peu plus petit, mais les frais, évidemment, vont être inclus dans les frais de la journée. Et le soir, à la fin de la journée, les enfants vont finir habituellement autour de 2h30. Le départ en autobus et les piétons vont se faire autour de 3h. Donc, l'école va offrir un service de surveillance pour les enfants de 2h30 à 3h qui est gratuit. Si vous avez besoin, après ce bloc de 3h-là, là, ça va être le service de garde qui va prendre la relève pour la suite. Donc, et la fermeture de service de garde varie encore là, d'un endroit à l'autre. Là. Donc, l'important, c'est de vous informer à votre école, de regarder les informations par rapport à ça. Quand il y a des rencontres d'informations, habituellement, on va être capable de vous en parler et vous donner les informations directes. Inscription se fait aussi directement à l'école, si vous avez besoin de ça. Je ne me trompe pas, Benoît, dans nos écoles,
souvent, l'inscription au service de garde, c'est fait en même temps que l'inscription, mais ça peut changer. Peut-être encore des écoles qui n'ont pas demandé ou la plupart des écoles. Oui, oui, complètement. Mais aussi, c'est possible encore de faire l'inscription. La période d'inscription n'est pas encore terminée. Là, dépendant des écoles, à peu près jusqu'au mois de juin, ça va être les inscriptions qui vont être priorisées là, si, pour la rentrée. Juste dire que pendant la période de questions, Benoît va être là aussi. Fait que c'est des questions plus spécifiques là, au service de garde. Il va être là pour pouvoir y répondre. C'est vraiment un bref survol parce qu'il y a vraiment des particularités dans chaque école. Sachez qu'il y a un technicien en service de garde dans une école. C'est lui qui est responsable des éducateurs. Et il y a un poste téléphonique qu'on peut rejoindre le technicien. Oui. Ça, c'est des choses que ça. Merci, Benoît. Donc, je vois le temps. Je vais aller voir. Je pense que c'est peut-être des choses qu'on a déjà revues. Fait que je vais... À qui m'adresser mes questions? Si c'est au service de garde, au technicien, donc une absence, il faut appeler aussi une absence, un changement d'adresse, un déménagement, ça serait le secrétariat. Et pour toutes les questions, plus justement sur le fonctionnement de votre enfant, classe, la pédagogie, ça serait plus à ce moment-là avec l'enseignante de votre enfant. C'est un service public, vous avez le droit d'appeler à l'école, donc je vous encourage à poser vos questions plus spécifiques là, qui concernent les écoles directement à elles. Puis, on termine avec ça, mais on fait un tour rapidement. Estelle, elle vous en a parlé tout à l'heure dans la communauté, tout cet été. À partir de maintenant, il y a des activités sportives, des heures de compte dans les parcs. Il y a comme des activités qui sont des fêtes familiales. Donc, je vous invite à aller de plus en plus dans ces moments-là avec les familles, donc avec vos enfants, de fréquenter d'autres de lieux pour du soutien plus personnalisé. Il y a encore le CLSC qu'on peut aussi... visiter les organismes communautaires, famille aussi. C'est riche en termes d'activités. Consultez vos maisons de la famille pour permettre à vos enfants de créer des liens puis de vivre des expériences. Et cette page, ce sont toutes les ressources que j'ai triées, que je vous donne. Vous allez pouvoir aller les voir. Ce sont tous des petits liens cliquables. Des petits liens cliquables dont vous allez pouvoir avoir accès. Une journée typique à la maternelle, un autobus scolaire, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un grand changement là aussi. Tous les articles de Naître et Grandir, tous les livres sur l'école, et qui sont beaux, il y en a tellement. Fait que tous les livres sur l'école, je vous encourage à aller les réserver à la bibliothèque, il y en a plein. Des fois, c'est la version de l'enseignant, du parent ou de l'enfant, magnifique. Fait que je termine, parce que je ne veux pas terminer plus tard, en résumé. La première transition scolaire, c'est un processus d'adaptation qui se vit sur plusieurs mois avant l'entrée à l'école. Il n'y a pas de prérequis. Je pense que assez souvent, il n'y en a pas. Le jeu, c'est vraiment au cœur des apprentissages à la maternelle. On joue. Il y a plusieurs enfants à la maternelle qui me posaient la question. Est-ce qu'on joue, Mme Mélanie, à la maternelle? Bien sûr. Donc, ça, c'est un facteur de continuité. On joue partout dans tous les milieux avant d'entrer à l'école. L'échange d'informations et la collaboration, c'est un facteur vraiment clé de succès. C'est ça qui nous permet de ne pas attendre au mois de novembre ou décembre avant de connaître votre enfant. On peut déjà travailler avec lui dès son entrée. Vous êtes mon partenaire, le numéro un. Les quatre objectifs qu'on veut là, dans la transition de vos enfants, on veut accroître le sentiment de confiance, développer le goût d'école, ça goûte bon, ça sent bon, tout que ce soit bon, diminuer le stress, évidemment, et développer un sentiment d'appartenance et de sécurité avec son nouveau milieu qu'est l'école. L'importance que vous allez accorder à cette transition-là va faire tout un changement sur les prochaines. Donc, je vous encourage vraiment à y investir de l'énergie, du temps, de l'amour, bien sûr, dans la bienveillance avec votre enfant. Et souvenez-vous que ça ne sert à rien de tirer sur la fleur pour la faire pousser. Il faut qu'on l'arrose, qu'on change des graines, qu'on la nourrisse. Donc, c'est vraiment dans l'accompagnement, quand on y prend soin, qu'on fait, qu'on développe son plein potentiel et à son rythme. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi tous mes co-animateurs et soutien technique. Les soutiens techniques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer un peu la procédure là, pour la période de questions. Donc, on va allouer 15 minutes et je vais vous demander, on va ouvrir le clavardage et vous allez nommer votre nom dans le clavardage et Geneviève, notre soutien technique, va vous donner accès pour poser.